Alors, je suis dans le RER avec mon frère et il y a plein de monde. Le RER est bondé. Et le RER s'arrête à une station. Et alors là, il y a plein de jeunes qui se bagarrent. Comme ça, c'est la plus jolie. Bon, le RER repart, mais alors à ce moment-là, la voie ferrée, elle est plus vraiment parallèle. Elle est même n'importe comment, et le RER, des fois, il roule sur la terre. Mais il s'arrête pas, il continue comme ça. Et tout d'un coup, je suis à côté du RER, qui est devenu beaucoup plus petit. Alors j'essaye avec les mains, là, avec les paumes, de le guider pour qu'il reste dans les morceaux de rail. Et à ce moment-là, il y a un mec vraiment méchant qui arrive en courant par derrière moi, et le RER. Et il est très grand, et il est hyper baraqué. Et il a une agrafeuse pneumatique, un peu comme dans le film des frères Cohen. Mais pas vraiment non plus, parce que là c'est une agrafeuse en fait, c'est pas un... C'est des agrafes. Et alors là il se jette sur moi et il m'agrafe l'artère carotide à droite. Alors comme ça, ça a l'air super malin de sa part, mais en même temps ça me fait pas du tout mourir, parce que des artères il y en a des autres. Et donc du coup en fait je continue à être exactement pareil. Alors comme je suis pareil, eh ben, je retourne à la piscine municipale, parce que c'est souvent comme ça, je vais souvent à la piscine en ce moment. Et c'est une piscine qui est découverte, mais en fait il est très tôt le matin. Et il y a déjà la queue, il y a un petit peu la queue, mais pas beaucoup pour pouvoir rentrer. Alors moi j'ai pas envie d'attendre, donc je repars et je reviens un petit peu plus tard. Mais là il y a encore la queue. Ça m'ennuie, alors je rentre toujours pas. Donc je dois pourtant retrouver mon frère avec qui j'étais au début, qui m'attend à l'intérieur. Donc je reviens une troisième fois un peu vers midi, mais alors là on peut plus rentrer parce que la piscine est complète. Il y a trop de monde et je suis un peu embêté quand même. Alors je regarde mon téléphone portable. Mais là j'ai un message de mon frère qui me dit qu'en fait il est parti aux USA, c'était aujourd'hui où il devait partir, il avait pris l'avion. Et en fait ça fait déjà un bon moment qu'il est parti de la matinée, parce que son avion survole déjà les États-Unis depuis 15 minutes. Voilà. C'est vrai, la piscine ça revient souvent, c'est une sorte de thème.